que faut-il retenir de ce match ? Que si on avait eu un bon buteur, on l'aurait gagné. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport aux précédentes rencontres, il y a un mieux, il y a une amélioration au sein de l'équipe ? Ça progresse, il faut que la saison se lance, c'est un peu poussif sur le début de saison. Mais bon, on espère que c'est sur la bonne voie et que c'est sur une bonne lancée. On attend une belle victoire contre un gros à domicile. Un match avec beaucoup d'intensité, deux équipes assez solides qui ont dû beaucoup jouer sur le physique et qui ont laissé beaucoup de jus dans cette rencontre. Le résultat est équitable, voilà. Chacun a eu ses temps forts et le résultat est équitable. Donc beaucoup de fautes de main, tout. Moi, beaucoup de déceptions parce que le match, franchement, on pouvait le gagner. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe s'améliore ? Non. Je suis désolé. Non. 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 Je vous comprends, monsieur. Il manque de combativité. Je veux dire simplement, c'est que le rugby, c'est le combat. Et là, manifestement, dans les contests et tout, ils se battent pas. Moi, je sais pas. Ils veulent pas y aller, quoi. Ils veulent pas y aller. Bon, s'ils veulent pas y aller, ils gagnent pas, c'est tout. Alors, ils ont fait machul, tant mieux. Mais voilà. Vous vous dites manque d'engagement. Ça manque de combat, pas d'engagement, du combat. Le rugby, c'est le combat. Il faut y aller. Mais je pense que les choix stratégiques n'ont pas été les bons. Je pense que Joris Cozena a dû rentrer à la 65e minute pour faire un peu la différence au niveau du pied, au niveau du jeu, de l'animation. Ça a été un peu compliqué. Bon, après, on fait avec, on reste sur un nul, mais bon, c'est la vie. 19-19, ça vous paraît logique ? Oui, moi ça me paraît tout à fait normal. Et puis c'est important quand même pour Oyonnax de prendre deux points à l'extérieur parce qu'on n'a on a encore pas gagné un seul match à l'extérieur. Donc pour nous, c'est important. Quelques mots sur l'équipe de Provence. Je pense que c'est une équipe quand même qui va être difficile à manœuvrer dans quelques matchs. Hein. Donc on sent qu'il y a du talent, il y a des très bons trois quarts, il y a un très bon paquet d'avant, mais je pense qu'il y a un manque de confiance depuis le début de saison. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu déçu, non ? Non, pas déçu, tendu. J'étais tendu avant le match, tendu pendant le match, encore un peu tendu, parce qu'on ne se dit pas si on a perdu 4 points ou si on en a perdu 2. Voilà, c'est difficile, ça se fait sur... Des faits de jeu, on aurait aimé être meilleur devant, on n'a pas été trop mauvais, mais voilà, ben écoutez, on va dire que vu la situation dans laquelle on était et la fin du match sur les 5 dernières minutes, on est content de s'en sortir sans perdre, parce qu'à un moment j'ai bien vu que ça risque de basculer. Encore beaucoup pénalisé, non ? Ouais, beaucoup. Est-ce qu'elles y étaient toutes ? Oui. Est-ce que de l'autre côté on a payé les mêmes pénalités ? Non. C'est le sport, c'est le rugby, c'est le choix d'un homme qui est au milieu du terrain. C'est pas facile ce qu'il fait, mais bon, ben, on en verra d'autres. Allez, voilà. On va se contenter de ces deux points. Hein. Allez, on n'a pas le choix.